et en prier. Gardez votre vie. L'ennemi est sur le point de engager en jeûnant et en prier. Pardonne-moi mon péché. Alléluia, qui Dieu vous bénit et qui Dieu vous garde encore au nom puissant de Jésus-Christ. Encore nous vous souhaitons encore notre grande bienvenue sur votre programme dans sa présence. Et cette fois, nous allons aborder le sujet des rêves et leur sens. Et comme j'ai dit toujours, si vous n'avez pas encore abonné sur cette chaîne, et que c'est votre première fois de croiser mon vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur l'abonné. Comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres vidéos qui viennent, vous pouvez aussi profiter et être béni parmi nos vidéos, avec notre vidéo. Et si vous voulez avoir des copies de nos livres, ils sont vraiment disponibles en bas de ces vidéos. Vous allez voir les liens en bas de ces vidéos. Nous avons mis des liens, des livres que nous avons écrits qui seront une bénédiction pour quiconque traverse des moments difficiles dans leur vie, soit dans votre vie de couple, dans votre mariage, dans votre entreprise. Ce sont des livres vraiment très bien pour toutes les corps de Christ et tous ceux qui ont besoin d'avancement dans leur vie. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Cette fois, nous parlons des rêves d'un arbre sans fruit. Êtes-vous déjà fait un rêve que vous avez vu et qui vous s'était attiré dans cette rêve-là à un arbre qui est sans fruit? Qui est sans fruit. Et, alléluia, quand tu fais un rêve avec un arbre sans fruit, qu'est-ce que ça veut signifier? Ça signifie un avertissement infructueux. Ça veut dire que vous avez investi, mais ça ne marche pas. Ou peut-être vous êtes décidé dans votre cœur d'investir dans quelque chose, de pour vous monter ceci. Ou bien vous voulez entreprendre un voyage, de pour vous monter ceci, pour vous dire que ça ne va pas apporter des fruits. Ça ne va pas avoir des... Ça ne sera pas fructueux. Ou bien, Dieu intervient et dit que votre propre vie n'est pas fructueuse. Et c'est un appel à changer votre vie. C'est pour être Dieu intervient que votre vie n'est pas fructueuse. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième, c'est qu'une vie, ou bien un ministère, ou bien une affaire, ou bien une famille, ou bien un nation avec de mauvais influences spirituelles et physiques. Une vie, ou bien une nation, ou bien une affaire, ou bien une famille, ou bien une nation. Une vie, excuse-moi, la vie, le ministère, les affaires, la famille, la nation avec des mauvais influences spirituelles et physiques. Et quand vous avez un mauvais influence spirituel, ou bien qui vous marque des nourritures spirituelles pour avancer votre vie, vous allez voir un arbre sans fruit. Et dans votre rêve là, vous allez voir les labs là qui vous êtes vraiment pressé d'avoir des fruits, vous êtes vraiment envie d'avoir des fruits, et vous cherchez, il n'y a pas de fruits dans cet arbre là, et ça veut dire que votre vie n'a pas l'information nécessaire, votre ministère n'a pas l'information nécessaire, votre nation n'a pas l'information nécessaire pour avancer. Et c'est pour cela que vous voyez un arbre qui ne porte pas du tout de fruits. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.